Bonjour Frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Girl, Jean Fédonetti, votre chef à la maison qui entre la canne, nous dit nous merci. Merci pour confiance, nous merci pour fidélité, nous merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi. Et moi dis nous merci parce que nous continuons à abonner sur la chaîne, nous continuons à partager la vidéo pour moi. Moi dis nous un grand merci encore. Jodi à la m'pral préparer une bonne salade de lambi pour nous. Une salade de lambi qui tout à fait spéciale parce que c'est une salade chaude et très bon et en pile produit haïtien la dame. Même que lambi ça déjà là, moi acheté lui son lambi, moi acheté dans corn, yo cassé devant moi tout frais. Là moi même moi quitté grossièrement parce que c'est l'elfin cuit moi va le racher pour moi faire mettre dans salade là. Moi là avec déjà moi nettoyé lui. Moi venir avec un cuillère d'épices créole. Juste un cuillère épices créole là c'est déjà assez, mais étant donné que moi gagne l'autre épice de cajun qui très très bon ensemble avec lui mené, moi mettre un peu là-dedans. Moi mettez un peu d'huile, mais c'est l'huile canola que moi mettez parce que moi le faire boucaner. Moi prends un piment bouc, moi mettez entier au complet, toute graine dans là-dedans. Moi prends un citron, moi coupe le en deux, moi va mettre tout jus à là-dedans. Moi mettez poivre là-dedans. Moi t'ai essayé déjà de pas gagner sel. Peut-être ça, on met un petit sel. Quand on a la moi rentrer tout mélange ça là-dedans. D'abord, ça me fait écraser piment avec toute graine là. Moi fin bien mélanger, regarde, c'est beau, ça sent bon. Qu'on a moi quitter le mariner pendant au moins 2 heures de temps. Après 2 heures que moi te mettre dans bien mariner. Ça sent bon. Moi mets un petit papier sulfurisé, si pas un papier sulfurisé, c'est pas un problème. Moi verse là piment tout bien ça sent là sorti bien là. Qu'on a là, on va le mettre dans foie. On va le mettre dans foie là à griller 400 degrés pendant qu'il va cuire, moi même va le préparer reste bagaille ensemble avec. Après une 15 minutes, qu'on est l'ambiance presque prêt, moi venir avec tout ça pour faire petite salade chaude. Mets un petit l'huile d'olive. Ça c'est gombo. Sauf que nous avons mettre gombo. Moi j'ai un très très bon ami qui moi remet en pile qui relé Lancy Malor. Qui était où elle déjà il te dit lui-même il pas t'a mettre gombo. Moi même moi mettre gombo non seulement il très bon là-dedans mais aussi pour promouvoir produit haïtien. Nous même gombo c'est plus légumes nous fait avec. Mettez-le dans manger écrasé. Moi même m'a pas prendre nous manger légumes d'une autre façon. C'est pour cette raison que je mets gombo. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas mettre gombo. Moi, je vais saisir gombo. L'huile est bien chaude. Moi, je mets un petit poivre dans gombo. Et moi, je mets un petit sel. Gombo là, je mets là-dedans. Si celle-là avec ce poivre-là lui-même, il faut assaisonner ces carottes là. Ça là, moi j'ai un petit oignon vert, moi mettez moitié là-dedans. Et puis ça c'est un oignon rouge, moi mettez un peu, un tiers dans une demi-tasse. Tout ça pour mal chercher un goût particulier pour les légumes. Et voilà, c'est prêt. C'est juste ça pour contenir, c'est assez. Qu'on a là, nous pouvons préparer salade. Chaud. C'est l'ambia là. Le petit ambia là, c'est parfait. C'est bien grillé, c'est parfait, c'est vraiment bon. Regardez ça, moi le fait. Voilà, tout bien coloré. Moi, le petit noirci ça. Ok, nous allons quitter ça. Nous allons quitter petit coloré ça, qu'on a coupé le gros besoin. C'est parfait là, c'est cuit, hein. Et voilà. On fait une coupe bien moi là. Qu'on a là, on va commencer à mélanger pour me faire salade là. Même venir avec bol salade, ces bol plastique là, moi je vais tout l'ambi à venir dans le bol là, moi je prends toute sauce qui est dans le papier là. C'est très important. Même venir avec une tasse de maïs en grain, moi je dépose là-dedans. Et puis mon bouc, moi je vais mettre là avec grain, moi seulement je prends peau, moi je mets là-dedans parce que la peau a un goût très. Ça c'est oignon rouge, moi je mets là-dedans. Ça c'est poivron rouge, moi coupé en petit. Ça c'est oignon vert. Ça c'est olive, moi mettez là-dedans, moi mettez olive verte parce que c'est l'ingé. Mais si je mets noir là, je mettez le tout
mais qui pas gain grain dans la mitan. Yo les ça dénoyer et qu'on y a moins versé gomboa mélangé avec carotte là-dedans qui déjà bon petit goût sel li déjà bien assaisonné avec poivre. Qu'on a sans pour brasser li, moi mettez yon petit l'huile d'olive. Et moi mettons une petite cuillère de jus de citron encore. Qu'on a là moi brasser li. Waouh. Il y a pas fait. Moi fais déjà, moi goûter déjà. Gombo a bon yon goût que ou pas qu'on habitué ouais. Vraiment bon là. Quand qui me dit nous bon là, pas oublier partager vidéo ça hein. C'est vraiment son bonbon là. C'est pas fait, c'est excellent qu'on a la moitié seulement pour me goûter lui. N'a pas goûter lui, m'a goûter l'ambia d'abord, c'est déjà bien fait, regarde-moi ça, belle cuisson et pas fait, vraiment bon là. N'a pas mettre ça dans bouche mon bail. Pour assaisonnement, petit goût piment qui rentre dans là, il pas piqué hein, malgré tout. Goût ali baillon goût mûri. Bon, c'est vraiment bon hein. Très très bon. Oh Seigneur, c'est bon. Pas oublier de partager la vidéo avec moi. Hein? Une petite salade de lambi. C'est excellent, c'est très très bon. C'était JFL Cuisine Girl. J'en fais dans lundi. Votre chef à la maison, qui est la canon. Merci, au revoir.